combien là, Arthur? 170. Tu vas taper quoi? Bah, je sais pas. Le mec est puissant. Hein. Faire 9? Non. Faire 8? Faire 6. Bon, mec. On est sur le trou numéro 13 là. Tu vois cette vue là? On se croirait en Californie. Pebble Beach, c'est ça? Pebble Beach. L'objectif, couper le phare en deux. Enfin, un gros sac au milieu. Fabuleux, un parcours qui a été designé par Severino Ballesteros, on vous l'a répété. Et on va justement visiter avec Alberto, le directeur du golf, un petit corner qui a été réservé à Severino Ballesteros dans le clubhouse. This picture, Sandra, is the one Seve opened the course in this date. And so it's a letter official of. Yes, and this is the experience Seve of Buena Vista. And this is a different moment of Seve in Buena Vista. This is a masterclass Seve in the driving range with the pro at this moment. In hole 10, in green 10, there is Vicente, Baldomero and Seve. With the first day we opened it, it's spectacular. And this is the government local that opened this course and the first goal, stroke is Seve. It's a special, only there is, I think so, a few in the world. And this is the tribute because of foundation with Buena Vista Golf. De retour sur la route, on a changé de partie de l'île. On est toujours à Tenerife, on va découvrir le golf d'Abama. Numéro 7, par 3, on the rocks. On the rocks, mais surtout sur la mer, sur l'océan Atlantique qu'on voit. Et on vous en parlait juste tout à l'heure, derrière, on aperçoit l'île de la Gomera, une petite île au large de Tenerife, où apparemment il y a un super golf qu'on va découvrir demain. Là, t'as combien pour sur ce par 3 130. 130 mètres, donc on le voit. Côté mer, là c'est côté montagne. Un joli petit par 3 de 150 mètres des blancs pour Arthur. 130. Well, you know, it's a course that was designed to be really the Augusta of Europe. It was designed by Dave Thomas, who was the former Ryder Cup player, Welsh gentleman. And so you have a lot of greens which have quite elevated greens compared to the from the tees to the fairway, from the tees and fairway. So it tends to be a little bit physical to play it, but a lot of people get a lot of enjoyment from playing the course. But the greens of Abama are known to be for its high quality and fast greens. Some people sometimes complain that they push and then they roll off the green, depending on where the flag position is. But no, I mean, generally, Abama is known for its fast greens and people like to play them that way. Troisième jour, Tessina Golf à La Gomera, sur la petite île qui est juste en face de Tenerife.
un parcours, là on va apparemment on va monter tout en haut, on voit, on va monter tout en haut du parcours, et en fait le parcours après est un escalier sur des plateaux, donc on va avoir la vue sur la mer pendant toute la partie. Arthur qui va jouer des blancs, comme c'est le cas d'or. Ouais, c'est trop dur des jaunes. Et aujourd'hui on est avec Mercedes. Hi. Qui nous accompagne sur ce parcours. We have 7 times the challenge tour here, the Spanish challenge tour, and before the pandemic we held the Alps tour, and we are working now to help again the challenge tour next year in the Senegal. Win the challenge tour before he started the European tour and PGA, and is one of the most important victories in his career. Here in the challenge tour, of course. Donc on a fait les 9 premiers trous de ce parcours de Tessina. Au niveau de la vue, c'est carrément imbattable. Parcours très sympa à jouer. Le dessin est assez marrant avec parfois des longs par 4, des petits par 5. Ce petit par 4 qui faisait à 235 mètres des départs jaunes. Évidemment, les par 3 sont assez beaux, dont ce par 3, le trou numéro 4, avec de l'oravin à gauche. Bref, on se régale. Là, je vous propose, on va rencontrer tout de suite Primoz, qui est le directeur du golf. Il nous a rejoint sur le départ du trou numéro 10 et apparemment, la vue est exceptionnelle. Allez, on regarde. I still did a really good job with this Tessina golf course in La Gomera. And the special thing is, I think the first one is that you have this sea view from all the holes of the golf course. And the golf course is it's quite long, and then also quite open. So it's easy to play, but it's also challenging for good golfers. We have problems because a lot of golfers, they take a lot of time to take photos or pictures of the golf course and of the surrounding. Et deuxième coup du 17, par 5. Arthur a envie de se faire plaisir, il est dans le rough. Même pas de petit tee naturel. Balle taillée correctement, ça va. Là, j'ai décidé de sortir le driver. Objectif, choper le green. Avant légèrement contre. Oh, elle est belle. Voilà, c'est ainsi que se termine ce petit road trip à Tenerife. Alors, on le rappelle, on a pu jouer 3 parcours, le Buena Vista Golf, l'Abama Golf et ce golf de Tessina sur la petite île de La Gomera. Une destination vraiment golf. On s'est vraiment régalé avec des parcours avec vue sur la mer à chaque fois. Et nous, on se dit rendez-vous plus tard pour découvrir de nouveaux golfs. Salut !